Alors Greg, on avait dit qu'on se retrouverait aujourd'hui, hein. On se retrouve aujourd'hui. Comme promis, pour une victoire. Pour une victoire, super victoire, 5-2. Super, ça a été dur. Ça a été dur, on a eu une première mi-temps très difficile. Et deuxième mi-temps, on est revenu avec un esprit un peu plus conquérant. On a récupéré quasiment tous les ballons. Et quand on a le ballon dans les pieds, voilà, c'est plus facile de gagner les matchs. Ah ouais, ça fait une fin de saison plutôt intéressante. Eh bien, il nous reste un match, en espérant que ce match nous permette de rester sur le podium, si possible. Peut-être la première, on verra. Ou là, en tout cas, la deuxième, c'est ce qu'on vise. Ah, la première, il faudra avoir un peu, il y a une partie de tapis vert à jouer un peu, on va voir, on verra. Voilà, en attendant, on accumule les victoires, ça fait du bien. Ouais, très très content, et encore un bon état d'esprit, surtout une bonne petite révolte en deuxième mi-temps, parce que on joue les derniers du championnat, mais il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Je pense qu'on a joué un petit peu avec le frein à main, comme on dit, et deuxième mi-temps, ça allait nettement mieux. On a pris le jeu à notre compte, et voilà, ça fait plaisir. Je suis encore très content pour eux. Ouais, super. Merci à toi, merci à tes joueurs. Richard. On se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, pour le dernier match, enlevé de rideau encore de la Une qui va jouer, j'espère, la montée. Donc il faudra qu'on leur montre encore l'exemple, leur montrer ce que c'est que le vrai football. Voilà, pour le faire en vie. Ok, merci. Salut merci Greg, Richard. À bientôt, ciao. Merci.